Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming, en compagnie de Knarfang pour un nouvel épisode de Prison Architect. Alors vous aurez noté que le son de micro a légèrement changé, en plus de évidemment un grand trou entre chaque volet de vidéo. Je vais m'expliquer sur le sujet. J'ai un nouveau micro, une nouvelle carte son. Le problème, c'est... Voilà pourquoi j'ai pas tourné des vidéos pendant longtemps. Voilà, donc je vous fais tester le nouveau micro, vous entendez tous mes APM. Vous pouvez suivre, hein, c'est du pro gaming. Hein. Là, là, on est à fond. Là. Donc, tu vois, moi je suis champion sur les prisons, évidemment. Clic gauche pour toi, champion du monde. PTDR, champion du. Ah! La merde. Mais non! Mais. Qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? Mec est venu démonter un truc qui avait pas besoin de démonter. Ok, well. Après avis, il n'y a plus de nouveaux trucs. Recherche de tunnel, fouille générale. Non, mais c'est toujours les mêmes. Qu'est-ce que vous emmerde? Appel nominal. Appelez tous vos prisonniers pour qu'ils se mettent devant leurs cellules. C'est même pendant les phases de sommeil et pendant la nuit. Ah, on peut demander par secteur. Oh, on n'est plus obligé de verrouiller toute une prison. C'est incroyable. C'est incroyable. Oh là là, ce jeu qui ne cesse de s'améliorer, c'est vraiment fouguedin. Pourquoi il y a une caisse ici? Porte de clôture. Pourquoi elle est posée? Pourquoi elle est posée? Comment ça? Vous pouvez pas me la poser autrement? Donc cette prison est évidemment extrêmement sale. Et c'est normal, c'est une prison qui est là pour faire exclusivement de l'argent. Car oui, nous aimons l'argent. Ne l'oublions jamais. J'ai commencé à barbeler des trucs, je... Ok. Commencer à barbeler des trucs pour barbeler des trucs. Pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Disposer d'au moins 5 gardiens sans tâches assignées. Construire une salle du personnel. Alors, effectivement, on va évidemment commencer par la salle du personnel afin de faire des économies. Qu'est-ce qu'il y a comme nouvelles choses? Ah, il y a des nouvelles portes. C'est incroyable, évidemment, évidemment. Des nouveaux objets tout le temps. Une porte en bambou? Bambou. Monsieur, il a dit bambou. Une salle de gardien au repos. Moi j'ai envie de leur offrir de la couleur. Ici déjà. Plus. En lierre. Oh, c'est exotique. En mur rouillé. Alors, je crois qu'on a déjà donné. En mur dégradé déjà donné aussi. Hein. On n'a pas fait de lierre. Oh, mur chic vert. Mur oriental. Alors là. Alors, salle de pause, on va partir sur un petit chic. Voilà. On va être chic. On va être chic avec nos gars. Voilà. Je sais pas combien il faut qu'elle fasse cette salle. Je sais même plus. Mais en fait, cette dimension est nulle. Elle est moche. J'en veux pas. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est nul. Mais c'est nul, c'est zéro. Mais c'est zéro. Alors que si je me mets là, je peux me faire une belle petite salle. Faut que ce soit combien la salle des gardiens? Je sais même plus. Il y a des objets. Il y a des panneaux. Il y a des panneaux mobiles. Il y a des nouveaux panneaux. Incroyable. Va falloir que je clique sur tous les panneaux là, vraiment. En vrai, c'est trop bien. C'est trop lore que le fait qu'ils aient rajouté les petits panneaux. Ça. Même si c'est dommage qu'ils aient pas pensé à mettre les panneaux avec des lettres chinoises et russes. C'est dommage. Ça manque d'une petite touche d'ironie. Mais c'est cool. Une chaise de terrasse. Ouais, pour bronzette et tout. Formidable. Formidable. Incroyable. Ah oui, vous allez tout entendre. Mon fauteuil qui grince tout. Ah non, mais c'est horrible. C'est horrible. Il faudra que vous me disiez quel micro vous voulez que je réutilise en attendant de trouver une solution au problème de celui-là. Soit je reprends l'ancien, soit celui-là vous plaît bien et vous adorez entendre toutes mes APM. Hein, vraiment, c'est incroyable. Donc on disait la salle des gardiens. Salle du personnel. Salle du personnel. Salle du personnel. Il faut que ça fasse du combien ça? Ça c'est bon. Mais c'est la taille...
Non, j'ai l'air d'être alcoolisé là. Oh, je peux tout faire. Oh là, c'est incroyable ça. Concevoir des plans. Ah, avec les types de murs prédéfinis. Incroyable. Non, mais là, les mecs, ils ont bossé. Hein. Non, c'est bien parce que là, on sent que les mecs leur ont remonté les informations. Ils se sont dit, ah ouais, c'est vrai que c'est tout con, mais on pourrait rajouter. Enfin, c'est tout con, peut-être pas d'ailleurs. Peut-être très chiant à coder, on sait pas. Et TDR, qui on est pour juger. Une machine à café. Ça, 100% j'en ai une. Une dans tout. Quoi, qu'est-ce que j'ai pas encore validé? Qu'est-ce que j'ai pas vu que j'ai pas validé? Avec une petite étoile. J'ai l'impression d'avoir à peu près tout validé. Hein. Ça fait l'heure de ma part. Il y a miroir, machin. Paf, pif, paf, paf. J'ai tout vu. C'est un panneau que j'ai oublié de cliquer. Ah, il n'y a pas d'autre panneau. Ouais, il y a un truc que j'ai raté peut-être quelque part, on s'en fiche. Cette construction rapide, c'est quoi la nouvelle construction rapide? C'est quoi la nouveauté de la construction rapide là? Je sais pas. je ne sais pas, mais je reste planté là. La loi ne fout plus les hommes, mais quelques hommes font la loi. Pièce, voilà, c'est ça que je cherche depuis le début, merci. Salle du personnel, 4 par 4. Ah. 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 Ah ouais, c'est méga juste. Je vais être obligé d'être collé au truc, non, il ouais, faut que je la fasse à côté. Il faut que je la fasse à côté, c'est parti. Des fondations en mur chic vert, évidemment. Car nous sommes très chics. On peut se faire une salle de personnel un peu ultra fat. Hein. J'ai déjà fait quoi? J'ai fait une salle de sécurité ou pas encore? Non, c'est pas encore fait. Ok. On peut se faire une salle ultra fat. Ultra fat. Réponse, ultra fat. Ouais. Ouais. En fait, je suis en train de me demander si je bouffe ce secteur de la prison. Ou si je le garde vraiment pour poser juste les trucs électriques. Et des guérites de tireurs d'élite. Bon, on sait jamais. Mais ouais, je crois que je vais garder quand même. Ouais, on peut partir sur quelque chose d'un peu généreux, convivial. Quelque chose qui te donne envie de venir. Voilà. Un petit 11, voilà. C'est pas mal ça, un petit 11. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en face? On pourrait mettre une salle de sécu. On pourrait mettre des tireurs. Bon, partons sur des belles salles. Hein. On sait qu'on va avoir la place à long terme. J'ai envie de dire. Servons-nous. Servons-nous. Prenons cet espace. Cet espace qui nous est offert. Bien sûr. Voilà. Évidemment, on va partir sur de la porte. Donc là, vous voyez, une petite porte réservée au personnel. Hop. Parfait. Et petite porte ici les gars. Petite porte là. Ouais, cette petite porte là. Rendez-moi du rêve s'il vous plaît. Et la bonne vieille dalle en béton. Ah, ils ont beau avoir ajouté des blocs dans tous les sens. La dalle en béton. Vraiment le classico. Comment ça? Le jeu vient de dire que je suis un débilus. Eh, je crois que le jeu vient de dire que j'étais un débilus. Bah merci le jeu. Qu'est-ce que je cherche? Je cherche ça. Dalle de béton. De la neige. Voilà. Très bien. Ça c'est fait. Qu'est-ce que... Câblage électrique. On est à combien en tension? Ici on est sur une tension que je qualifierais d'acceptable. Je pense pas qu'il y ait besoin d'ajouter des détails techniques. La cour est très vide. Hein. Enfin, ça,
C'est un peu vide. Donc je pense qu'on peut se rajouter effectivement un nouveau parc électrique. Hein. Vraiment. Voilà. Tiens, regarde. Hop. C'est où? C'est ici. Voilà. Clone of War là. Pof. Voilà. Et ouais, allez. Comment ça verrouiller? What's up? J'ai pas le droit de le poser là? Quoi? Qu'est-ce que c'est? Allô? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Mais. Yes! Bon bah écoutez, on va se faire ça à la main. Je crois que le jeu vient de dire que j'étais pauvre. Quel scandale. Je suis pauvre, le jeu a dit. Au secours. Faites de l'argent, vite. Là, il y a du bois. Coupez-moi ça, là. Vite. Comment on fait? Genre, supprimez-moi ça. Mince, il y a une touche, je sais plus ce que c'est. Démonte-moi ça. Démonte-moi ça. Vendez du bois. Faites-moi faire de l'argent, vite. Ah oui, j'avais mis en option les gardes ultra, ultra balèzes. Ils sont énormes les gardes là par rapport au décor, oui. Oui, j'ai mis les gardes en ultra fat. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Incroyable. Incroyable. Bon, pendant qu'ils font ça, ceci est une salle du personnel. Alors, alors c'est bon ou pas? Bah ouais, c'est fou. Alors, il faut canapé ou tabouret en bois, distributeur de boissons. Bon, on va poser le minimum obligatoire syndical tout de suite. Non, nous n'avons pas d'argent. Nous n'avons donc rien posé du tout. Bien ressorti avec des chaises. Ah ouais, je suis d'accord. Ouais. Eh, je peux poser un tabouret quand même. Ah, je peux poser un petit tabouret. Mais je pense qu'on va pas se faire avoir. Comment on rotate? Voilà, c'est ça. Rotate un objet. Je pense qu'on va pas se faire avoir. On va partir sur un petit canapé. 300 balles. Pas 300 balles. Vendez quelque chose. Vendez des chips, vite fait, un truc. Vendez le caleçon de Michel. On l'a déjà vendu. Mince. Mince, c'est embêtant ça. Ah, le flux de trésorerie qui... 4$. Non! Faux! Arrêtez tout! On vous ment depuis le début. Ne les croyez pas. Je suis extrêmement riche. Mucho más blindamas. Évidemment. Oh, les radios, elles sont déjà là. Ils ont toujours pas fait l'amélioration, genre. Vendre. Ouais, on peut toujours pas revendre les objets, hein, même à la moitié de leur prix, ce qui est bien dommage. Ce qui est toujours bien dommage. Donc, nous avions dit un canapé. Et quel canapé, hein. Et le distributeur du poisson. 500 boulettes là. Non, les mecs. 500 boulettes là. Un porte-manteau hein, parce que je me sens une aide. Voilà. Get une aide.
J'ai posé où importe mon tug. Je suis get des good dead. 100 balles, je les ai. Machine à café. C'est bon ça. Il ne peut plus nous arriver d'affreux maintenant. Juste ça. J'économise même du câble. J'économise tout ce qu'on peut économiser maintenant. Et ben voilà, il fait beau maintenant, il fait bon dans cette salle, il fait bon vivre, il fait bon vivre. Nous sommes dans la salle du personnel, je pense que un petit revêtement adéquat, je crois qu'on a déjà donné sur le style moquette bleu, non? Sur, voilà, sur toi, là, tout à fait, ouais. Excellent, excellent, excellent. Moi je propose des ambiances... propose d'un côté un tapis beaucoup trop cher pour nous et absolument rien de l'autre côté, comme ça ça s'est fait. Il faut une machine à moisson impérativement, je suis ultra fauché, c'est incroyable. Et à coût de 12 dollars de trésorerie, ça va être compliqué. Va falloir licencier des gens, hein, parce que là on gagne plus rien les gars. Barbe de falaise. Mettre des rebords de falaise, genre on dit à partir de là c'est du suicide. Intéressant, j'aime beaucoup cette idée. Est-ce qu'on peut pousser les gens avec des fusils un peu, parce que ça aussi j'aime beaucoup l'idée. Oh, il y a une table de tennis, hein. 200 balles, pas mille foot, incroyable. 200 balles, j'ai pas 200 balles, j'ai plus rien, au secours. Très bien. Ne serait-il pas temps de virer du personnage, genre toi tu sers à rien, tu sers à rien, tu sers à rien, je garde deux mecs, ça suffit. T'es viré quoi. Un homme et une femme, je vois pas l'utilité là. Vous êtes viré. Bah voilà. Ah, plus de règlements. Ah, plus de règlements en fonction, ah, excellent ça, en fonction des vilains. Ah ouais, ils ont bien développé le règlement, ça c'est bien. C'est bien parce que ça traînait quand même un peu. Ça traînait d'ailleurs pas qu'un peu, ça traînait de la patte méchamment. Méchamment, méchamment. On en est où dans les. Du prisonnier, ça devrait être un législateur rédigé. Très bien. Donc l'intérêt c'est de libérer absolument personne, on est d'accord. Bon. Ok, j'ai approuvé la sécu. En fait, j'ai fait tout ce que je pouvais avec les fonds que j'ai actuels, ok. Et le personnel que j'ai actuel, évidemment. Très bien. Bah, très bien, on adore. On adore. Hein. Ouais, on va faire tout cet épisode juste pour poser... Ouais. Ah, juste pour poser une machine à moisson. Puis après, je mettrai fin à l'épisode parce que je suis fauché et qu'il faut que je fasse tourner un peu le jeu. Ou que j'encaisse 10 000 balles, mais il va falloir que j'en... Attends, mais, du coup, il va falloir que j'achète des gardiens, c'est ça? Au secours. Au secours. Aidez-moi. Je suis fauché. Ah! Bon, on va laisser tourner un peu le jeu, je crois. Faut que je gagne un peu d'argent. Compliqué, vous voyez. La situation est complexe ces temps-ci. Mais officiellement, on a une salle des gardiens. Voilà, dans quelques secondes, c'est bon. Voilà. Après, objectivement, c'est quand même un épisode de l'emmerdement que vous regardez et que vous adorez. Putain, on entend même ça, quoi. On entend tout, c'est chiant. Faut vraiment que je trouve... Oh, regardez, écoutez ça, écoutez ce vieux fauteuil. Hein. Vous entendez, vous kiffez ou pas? Ah, ça, incroyable, incroyable. C'est la Knarf Exception. Vous êtes chez moi, en fait, à la maison, en ASMR. C'est incroyable. Vous voulez un petit ASMR de cigarette? C'est parti, attendez, je vous fais ça. Je sais pas. Parce que c'est très YouTube ça. C'est très YouTube, même si les cigarettes sont très YouTube. Alors ça, oui, ça. Ça, c'est le truc. Voilà ce que vous allez entendre. C'est le papier. Voilà.
Et ça, c'est le tabac. Quand je déverse dans le papier. Je roule. Comme ça, le tabac est bien tassé dedans. Et là, je lui enfonce mon filtre. Je lèche un peu. Voilà. Et c'est parfaitement roulé. À ça. À ça, habituellement. Alors attendez, faut que je le retrouve. Voyons, Steve. Ah, il est juste là. Face, je retape dans le fond, par l'autre côté, évidemment. Le côté marron, évidemment. Et je finis de l'enflammer. Ouais, fumer c'est presque sexuel. Ouais, ouais, je suis d'accord avec vous. On peut acheter un gardien là. C'est beau ou pas? Attendez, parce qu'on peut peut-être faire un investissement de ça. Justement. J'ai le travail approuvé en extérieur. C'est-à-dire que à n'importe quel moment, je peux dire que j'en ai marre d'être fauché. Peut-être partir sur une petite foresterie. Voilà. Ça c'est bon ça. On fait une forêt. Voilà, on se fait ça comme apport. J'ai une foresterie. Maintenant en termes de personnel, il faut que je sorte au moins un jardinier. Sinon, bah on peut pas planter. Dans cette foresterie. Faut qu'on plante là. Ah, 200 boulets l'arbre. Putain, ça fait mal. Ah non, c'est 100 boulets l'arbre. Ok, bon. En sachant qu'il te rapporte quoi, 4-5 troncs. 4-5 troncs à... à 50... Allez, on va dire 50 balles pièce. Ah, tu fais... 2 fois et demi, quoi. Attends, c'est une caisse qui contient une caisse, c'est de la caisseception. Ah non. Ok. Juste que c'est pas marqué ce qu'il y avait dessus. Oh, le jardinier qu'on peut plus. Il a un boulot le mec. Regardez-moi, il rattrape toute cette neige. Incroyable. Est-ce qu'on se dit pas que 2 ouvriers c'est trop? Voilà. Garde le mec le plus baraque. Et attendez, il y a des locaux là-dedans, c'est quoi? Utilisez clic gauche pour licencier un seul membre du personnel, ou faites un glisser-déposer pour licencier plusieurs membres du personnel. Oh là 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 là. Ils ont pensé à moi. Ça fait plaisir. Ça, c'est un arbre, ça? Ça, je reconnais, ça, c'est un arbre. Je vous démonte ça. Montre-moi ça, ça. Ça, ça se vend. Ah oui, mais il a pas assez poussé, du coup il a rien rapporté. Une bûche. Une bûche à ce que je vais vendre. 50 balles. D'accord, faut que j'attende que ça pousse un peu plus. Ah ouais, mais elle est dans la zone. Ouais, mais on voit pas bien la zone, du coup. C'est compliqué. On voit pas bien la zone. C'est un état. Alors moi, cette douche qui n'a jamais servi. Douche incroyable qui n'a jamais servi. C'est beau. Une seule grille d'évacuation. On est cher, hein, les grilles d'évacuation. Très cher. Bon, j'ai des radios en rab pour leur poser une petite radio. J'ai ça.
Quelqu'un veut une petite radio? Hein, qu'il y a une place pour une petite radio? Pas tellement, vous êtes un peu surchargé comme des sourds. Les gardiens, on pourrait leur mettre une petite radio. Gardien, en vrai, petite radio, on se moque de personne, quoi. Je sais pas où la mettre pour l'instant, mais on leur mettra ça. Ouais, ça se vend, là. Oh, c'est pas vendu, ça. Ah oui, parce qu'il attend de pouvoir faire des piles de bois avant de les envoyer. Ok. Ok. Ah, pour l'instant, on gagne pas beaucoup d'argent. Bon. Ce sapin, là, il est bon, là. Ce conifère. Ben voilà. L'autre, il entretient une neige. Mais d'une qualité. Tant la file d'attente. Ah non, mais ça c'est prioritaire ça. Non, monsieur, c'est prioritaire ça. Ça aussi c'est prioritaire ça. C'est contre le culto, je vais redonner la priorité à un truc. Je sais pas où est-ce qu'elle est cette box. Voilà, tout ça c'est prioritaire. Voilà, voilà. Ah oui, donc ouais, ils étaient pas à sa taille maximale. Et l'autre il est reparti, on sait pas où. Il y a encore un petit problème au niveau des enchaînements des tâches. Hein. Parce qu'on voit, il les tombe et puis après il se barre et en fait il revient les faire. Voilà. Voilà le pognon qui commence là. Ouais, on commence à être sur une boucle un peu vertueuse, de l'argent, ça fait plaisir. Peut-être pouvoir embaucher 5 gardiens et terminer cet épisode. À un moment donné, peut-être. Dans les projets d'ailleurs, tant qu'on en est là, on discutait. Je pensais faire du donjon de Nullbuck. Ouais, parce que le RPG est vachement bien noté, il a un style un peu XCOM. Je voulais me faire un jeu comme ça, avec un style un peu XCOM tour par tour. Un peu calme, un peu posé. Et donjon de Nullbuck reçoit des bonnes notes, et ce qui me fait plaisir, pas que des notations françaises. Parce que j'avais peur que juste la commu française, en fait... lui donne une très bonne note et à première vue il est très bien noté. J'ai vu absolument aucun stream sur le jeu, aucune vidéo, rien, et du coup j'aimerais savoir si ça vous chauffe pas. Voilà, donc cette vidéo s'appellera Donjon de Nullbuck ASMR et l'objectif c'est quoi? Bien-être du personnel ou je sais pas quoi. Nouveau micro, le titre sera très long comme d'habitude et absolument pas commercial. Cela va de soi. Écrit en miniature. Comme d'habitude. Dirais-je bien gaming, mais j'aurais peur de vous saouler. Je voudrais aussi refaire la description de la chaîne. Parce que, en fait, elle est non actuelle. J'ai envie de marquer. Venez vous emmerder. 100% sans montage. 100% non commercial. 100% de l'emmerdement. Plus que chez Mystère Inventure, un truc comme ça, quoi. Vraiment. En vrai, c'est un peu notre méga credo. Ah, il nous lâche que 3 trous. Ah non, on fait pas beaucoup d'oseille hein, sur le bois pur. Ouais, je pourrais passer en mode vape, en mode vente. Ouais, 150 balles d'arbre.
Ouais, en fait, on gagne à peine 50 balles par bout de bois. C'est une catastrophe. Le jardinier qu'on peut plus. Hein. Ah, le jardinier, il farm. Il a sa liste qui s'allonge en permanence. Le mec il me recommande des pouces dont il a pas besoin quoi. C'est fou ça. Tu vas venir me l'abattre ce sapin oui ou mince? Il est bon hein. Je sais pas. Bon. Un gardien. Et un premier gardien. Un deuxième gardien? Bah boum. Incroyable. On va le faire, hein. On va faire cet argent. Vraiment tout. Je frotte ma chemise, on entend. C'est incroyable. On entend tout. Voilà. Alors si je me gratte la barbe, on entend aussi. Ouais, vaguement. Ça va. Peut-être ça va. Je pense que de l'autre côté de la rue, on va mettre des pierres tombales. C'est un style que j'aime bien. Ou alors tout autour des bâtiments à chaque fois. C'est pas mal aussi. Ça fait une belle déco. Système PA. Mate les prisonniers en leur rappelant régulièrement qu'ils sont toujours en prison. On augmente le sentiment de répression des détenus. Quand placé dans un bloc de cellules ou une cour. Bien ça. Super ça. Oui, la note de la cour. Ah. Mais juge de la cour. Ah. Ou c'est un peu moins bien. Faut voir. Ça se discute. 700 balles. Attendez, on peut se repayer un gardien. Et un gardien de plus. On y est presque. On a presque les sous. Vous allez être libéré de ce micro. Bientôt. Bientôt vous serez libéré. C'est un peu. Finalement, c'est un épisode sur des prisons et c'est un peu comme si vous étiez en prison aussi, quoi. C'est quand même. Oh, c'est vraiment la prisonception aussi. C'est incroyable. On n'a jamais vu ça dans le game. Attendez, attendez. Attendez là. Vous êtes libre. Vous êtes libre. Nous venons de terminer. C'est incroyable. Oh là là. C'est beau. Quel sera notre prochain financement? Notre prochaine subvention? Alors, entretien de la prison. Deux concierges, un jardinier. J'ai déjà un jardinier, donc ça c'est bien. Deux concierges, ça serait pas mal. Je pourrais vraiment prendre un. J'ai déjà le contremaître. J'ai déjà toutes les recherches. Ouais, c'est bon deal ça. J'ai pas déverrouillé entretien. Bah si, j'ai entretien. Qu'est-ce qu'il me fait? Hein? Allô? Ah, c'est entretien intérieur qu'il me faut, je pense. Ouais, c'est ça, c'est intérieur. Et pour intérieur, c'est 2000 boulesses. Mais je les ai. On lance la recherche. Voilà.
Et on pourra embaucher deux concierges à terme. De tout ça, c'est formidable. Mais ce sera dans un futur épisode. Je vous laisse profiter des bruits de la forge, évidemment. Évidemment, nous sommes dans une forge. N'oublions pas, le Clairfang est un nain. Voilà. Donc, profite de ça. Puis je vous laisse juste après la cloche sonore. Des bisous et à la prochaine. Ciao.